En ce matin, notre Seigneur se fait proche de toi. En ce matin, notre Seigneur s'adresse à chacun de nous en disant ceci. Je suis proche de celui qui a le cœur brisé, celui qui a le cœur broyé, celui qui accepte le brisement que je lui donne, celui qui accepte de rentrer dans mes préceptes, qui accepte d'embrasser la splendeur et la bonté que je suis. Le Seigneur s'adresse en nous en ces termes. Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Shalom à toi, porteur d'amour. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unissant de cœur et d'esprit avec nos anges et tous nos saints patrons. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun des os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Oui, le Seigneur est proche du cœur brisé. À toi, bien-aimé de Dieu, qui m'écoute en ce matin. Voilà la parole qui nous est donnée par le psaume 34. Le Seigneur se fait proche de toi à la condition que tu acceptes le brisement qu'il te donne. Le Seigneur se fait proche de toi et veut que tu fasses de lui ton refuge, que tu fasses de lui ton essentiel. Quiconque te cherchera ne te trouvera pas. Quiconque voudra une information de toi n'en aura pas. Mais voilà la posture que notre Seigneur te demande en ce matin. Décide de mourir à l'intérieur de toi. Décide de faire taire ce moi qui résonne en toi, ce moi qui parle plus fort que la voix de notre Seigneur. Décide de faire toutes ces voix qui t'amènent à pécher contre ton Dieu. Décide tout simplement d'obéir à sa parole et d'accepter tout simplement ce qu'il est et ce qu'il représente pour toi. Le Seigneur en ce matin te dit tout haut, mon enfant, laisse-moi te donner un autre parfum. Un autre parfum pour tes pensées, un autre parfum pour ton cœur, pour ton âme, pour ton environnement spirituel, pour l'atmosphère dans laquelle tu es. Parce que oui, sans le savoir, tu as donné des informations à l'ennemi pour qu'il puisse t'abattre. L'information n'est nulle autre que ce mauvais parfum que tu décides d'embaumer. Ce mauvais parfum qui embaume ton âme, qui embaume ton cœur. Ce parfum de tristesse, ce parfum de mélancolie, ce parfum de doute. Et le Seigneur te dit, laisse-moi te donner un autre parfum. Laisse-moi me faire proche de toi. Laisse-moi te prendre avec moi. Laisse-moi tout simplement te laver et te purifier de tout ce qui t'alourdit. Alors en ce matin, laisse tout simplement ton cœur parler à Dieu par ce cantique et je t'invite même à le prendre avec moi. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je m'abandonne corps, âme et esprit. Devant toi, je me prosterne, je me soumets totalement. Je me soumets totalement tel que je suis à tes volontés et à tes lois pour ma vie. Oui, Seigneur, afin que tu viennes me donner la forme qui te plaît, que tu viennes faire de moi ce qui te plaît à toi, ce qui réjouit ton cœur. Seigneur, que je sois comme toi, que je puisse parler comme toi, que je puisse marcher comme toi, aimer comme toi. Voilà pourquoi, en ce matin, je m'abandonne tel que je suis à tes pieds, en te disant, Seigneur, je veux enlever tous ces manteaux que j'avais revêtus, tous ces mauvais parfums qui étaient sur moi, ce manteau de la tristesse, ce manteau du rejet, ce manteau de colère, je veux tout déposer à tes pieds, Seigneur, afin que toi-même, tu viennes me remplir de toi. Que ton sacrifice à la croix ne soit pas néant dans ma vie. Que ton sacrifice à la croix ne soit pas vain pour moi, Seigneur. Mais que ta loi, tes lois, tes préceptes à toi crient plus fort dans ma vie. Que tu sois celui qui vienne m'apprendre à marcher. Que tu sois celui sur qui je me repose. Que tu sois le refuge de mon âme, le refuge de mon cœur, le refuge de mes pensées, Seigneur. Telle est la prière qui monte vers toi, un cœur qui s'adresse à toi en ce matin, en te disant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme qui te plaira. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, dans tes parvis, je suis. Dans ton champ, je suis. Dans tes sentiers, je veux marcher. Alors ne permets pas que les méchants puissent recevoir une quelconque information de moi, afin de l'utiliser pour me faire mal.
Ne permets pas que l'ennemi puisse avoir une information de moi au travers des différents parfums que je peux avoir pour m'empêcher et me faire sortir de ta route. Alors Seigneur, entends ma prière en ce matin, entends mon cri. Sois attentif à mon soupir, au soupir de mon âme, au soupir de mon cœur, au soupir de ce frère, de ses sœurs. Entends et viens au secours de nos vies et de nos âmes, car en toi nous trouvons refuge, toi l'assurance de nos vies. Alors bien-aimé de Dieu, c'est dans cet élan d'abandon, dans cet élan de miséricorde encore, que je te souhaite de passer une agréable journée et que Dieu agrée encore à ton effort de ce jour, que tes cris et tes soupirs parviennent jusqu'à lui, afin qu'il envoie encore ses anges camper tout autour de toi pour encore te revêtir de ce qu'il est. Que ces anges viennent te donner le parfum agréable qui plaît à notre Seigneur. Laisse-toi tout simplement parfumer en ce matin. Un autre parfum pour tes pensées, pour ta vie, pour ta personne tout simplement. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.